présentation d'aujourd'hui qui a pour thème l'éco-conception, pensée en cycle de vie. Tout d'abord, je vais me présenter avant de débuter. Donc, je suis Marie Cussol, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception. Je vais vous présenter juste après qu'est-ce que cette association. Et je suis plus particulièrement, dans le cadre du pôle éco-conception, animatrice du programme éco-conception en Occitanie, dont je vous parlerai aussi juste après. Donc, pour commencer déjà, qu'est-ce que le pôle éco-conception ? Assez rapidement, vous voyez que dès le début, je vais vous parler de cycle de vie dès maintenant, mais on définira un petit peu plus ce qu'on entend par cycle de vie et ce qui se cache derrière juste après. Donc, le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels qui a été créée en 2008, qui est basée à Saint-Étienne et qui a pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leur performance environnementale par la prise en compte de la pensée en cycle de vie dans leurs produits, dans leurs services, dans leur activité de manière générale. On est également, donc pour ça, on met en place donc des démarches d'éco-conception et on est à l'échelle nationale le centre de ressources pour l'éco-conception en France. Pour mener à bien nos missions auprès des entreprises, on a trois grands leviers d'action finalement. Le premier levier d'action sur lequel on va essayer de les accompagner, c'est la pensée en cycle de vie. Finalement, comment on va pouvoir prendre un peu de recul par rapport à son produit, à son activité, à ce cycle de vie-là, et pouvoir réfléchir à ce qu'on va mettre en place là-dessus pour innover en réduisant son impact environnemental. Le deuxième aspect qu'on va traiter avec les entreprises, c'est le management de cycle de vie, où là, on va prendre en compte donc tout l'ensemble organisationnel et managériel de l'entreprise et du cycle de vie qu'on aura défini au préalable, pour pouvoir justement agir sur ce cycle de vie en amélioration continue, pourquoi pas, et mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour améliorer l'impact environnemental de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est l'évaluation du cycle de vie, parce qu'avant de pouvoir travailler sur son cycle de vie, il faut le connaître suffisamment bien et connaître également les impacts environnementaux qui y sont liés. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi avoir une facette d'évaluation du cycle de vie qui va permettre à l'entreprise également de mieux connaître son produit, finalement, et de pouvoir communiquer dessus de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus lisse pour les consommateurs. Au-delà de ces leviers-là, quelles sont un peu plus concrètement nos missions derrière ? On a quatre grandes missions auprès des entreprises pour les aider à mettre en place ces leviers d'action-là. La première, ça va être, on va mettre en place des actions pour pouvoir inspirer les entreprises, donc diffuser les concepts de l'éco-conception et de la pensée en cycle de vie, un peu comme finalement le genre d'événement qu'on fait aujourd'hui, et qui va avoir pour but de sensibiliser les entreprises, leur faire se poser des questions sur leur activité et leur faire découvrir tout simplement ces concepts-là. Au-delà de cette phase d'inspiration, on a aussi des missions qui permettent de stimuler les entreprises pour aider justement soit les entreprises, soit les structures de réseaux d'entreprises finalement à promouvoir la pensée en cycle de vie, à mieux connaître son fonctionnement et petit à petit à comprendre les enjeux et les volontés pour se lancer dans une démarche d'éco-conception. Une fois que ce premier palier est atteint, la mission suivante qu'on s'est fixée, c'est une mission d'action finalement pour agir concrètement auprès des entreprises, à la fois en termes de formation, pour former de manière plus détaillée à des outils, à des méthodologies qu'on va utiliser pour bien mettre en place cette démarche d'éco-conception à tous les niveaux dans l'entreprise. Et on va aussi, donc d'un côté la formation, et d'un côté, on a aussi tout simplement des prestations, du conseil pour vous aider, pour vous guider tout au long de la mise en place de cette démarche-là en apportant un extérieur. Et enfin, le dernier volet de nos missions, c'est un volet de consolidation. On s'est aperçu depuis quelques années où on est au service des entreprises qu'il y a certains domaines, certains volets d'éco-conception qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins compréhensibles. Et selon les années, les époques aussi et les contextes, il y a des questions qui ressortent plus que d'autres et nos missions, c'est de pouvoir faire de la recherche, trouver des solutions, des méthodologies sur les sujets pour lesquels, pour l'instant, les entreprises se posent des questions et n'ont pas trouvé encore de réponse. Donc pour ça, pour pouvoir apporter ces éléments de consolidation, on écrit des guides et des notes de synthèse qui vont nous permettre donc d'aller plus loin sur ces sujets-là et d'aider concrètement les entreprises. Actuellement, on est en train d'en sortir un qui est en travail depuis 3 ans
sur notamment la communication environnementale et plus particulièrement l'autodéclaration, qui est un mode de communication environnementale normé, qui est régi par une norme. Et l'idée, en fait, c'est que c'est un mode de communication qui est très, très vaste. Et on s'est aperçu que les entreprises ne savaient pas trop comment communiquer par ce biais-là. Et notre but, via ce guide, c'est justement d'aider à savoir quels sont les pièges, quels sont les leviers, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir une communication intéressante et pertinente par ce biais-là. Au-delà de toutes ces missions, on a également des actions régionales, dont une en Occitanie, c'est celle qui va vous intéresser et nous intéresser aujourd'hui, qui s'appelle le programme Éco-conception en Occitanie que j'anime. C'est un programme qui est financé par l'ADEME, la région Occitanie et l'éco-organisme Valdelia, et qui a pour but justement de vous aider à vous lancer ou à avancer sur vos projets selon votre niveau de maturité. Donc c'est vraiment à destination des entreprises qui veulent soit obtenir un premier niveau d'information, soit aller déjà un petit peu plus loin dans la démarche. Et pour ça, on a un certain nombre d'actions qui peuvent être intéressantes pour vous à différents niveaux. Soit un premier niveau qui va être un niveau de renseignement finalement, qui va vous permettre de vous renseigner au travers de webinaires thématiques ou grâce au centre de ressources présent sur notre site internet. Ensuite, on va avoir aussi une démarche qui va vous permettre d'orienter votre projet, votre démarche, réalisant notamment un diagnostic qui vous donnera la possibilité de faire un peu un état des lieux de là où vous en êtes finalement et où vous voulez aller. On peut vous permettre aussi de monter en compétences sur le sujet, sur des sujets particuliers ou plus généraux en fonction de vos besoins, de manière individuelle ou de manière collective via des ateliers thématiques. Et on peut également vous aider à monter des projets de subvention, de financement, s'il existe des financements de la région et de l'ADEME pour vous aider à concrétiser vos projets derrière. Voilà pour la partie un petit peu contextuelle du pôle éco-conception et du programme et de pourquoi je suis là aujourd'hui. Plus précisément, je vous ai déjà parlé pas mal de cycle de vie, mais finalement, la question qui se pose, c'est quoi un cycle de vie ? On a une activité qui tourne beaucoup autour de ça au pôle éco-conception, donc c'est bien déjà de poser les bases et de savoir ce qu'est un cycle de vie. Alors, quand on parle cycle de vie, tout de suite, on entend le mot vie, donc on pense, enfin, moi, personnellement, j'ai pensé à la vie, à la nature, et c'est vrai que quand on visualise un cycle de vie dans la nature, la première chose qu'on voit, finalement, c'est ça. C'est une petite pousse de plantes, j'ai pris une plante, pourquoi pas prendre autre chose. On visualise assez bien le cycle de vie de cette petite pousse-là, elle est née d'une graine ou d'une plantation, elle a germé. Elle est née, il y a les premières feuilles qui sont sorties, donc le produit a été créé à partir de la graine dans la nature. Ensuite, on voit très bien que cette entité, elle va avoir une vie, elle va se nourrir de son milieu, interagir avec son écosystème. Elle va croître pour finir par vraiment s'inclure dans l'écosystème total. Elle va interagir avec les autres espèces, animales, végétales, etc. Elle va avoir une action sur le milieu, sur la totalité de sa durée de vie, en accord avec son milieu et sa fonction, notamment dans l'écosystème. Une fois sa durée de vie atteinte, forcément, elle va péricliter, s'user, perdre son efficacité, son fonctionnement, petit à petit s'éteindre, mourir, ou être détruite par d'autres espèces du milieu aussi. Et sa fin de vie, donc, ça correspond à un état, si on reprend une petite plante, de décomposition, qui va constituer le nouveau sol de la forêt et qui va venir fertiliser les nouvelles espèces et leur permettre à leur tour de grandir, de croître et de recommencer sur un nouveau cycle de vie. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit le cycle de vie dans la nature. Je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas des termes exacts pour mettre en avant ce cycle de vie-là. Mais finalement, l'idée, c'est de dire que vraiment dans la nature, comme le disait Antoine Lavoisier, on a vraiment un phénomène qui fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'ailleurs, on le voit très bien quand on prend en compte le fait que ça fait à peu près 3 ou 4, allez, au moins 4, plusieurs millions d'années, 4 millions d'années que un nombre d'espèces incalculables sont apparues sur la planète. Et finalement, on n'a jamais vu de décharge ou de système de stockage des déchets avant notre intervention et avant l'activité humaine. Ça veut dire vraiment que quelque part dans la nature, on a vraiment cette idée de cycle de vie, de cycle
pas forcément fermée, mais une véritable circularité qui a toujours fonctionné entre les différentes espèces et dans l'ensemble des écosystèmes naturels. Si maintenant je vous parle de cycle de vie d'un point de vue plus anthropologique ou même plus basé sur l'activité humaine, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que finalement, si on parle d'activité humaine et de cycle de vie, le début du cycle de vie d'un processus ou d'un produit qu'on fabrique nous, ça va être l'extraction de ressources. Alors ici, c'est des ressources pétrolières, mais ça peut être de la culture de végétaux ou d'animaux, l'extraction de métaux, de terres riches, rares, etc. C'est une extraction de ressources qu'on va utiliser, nous, derrière, pour la fabrication de nos produits qui vont avoir une utilisation, une vie définie. C'est comme ça, du coup, qu'on voit plus précisément le cycle de vie de nos produits, donc il sort un petit peu du cycle de vie naturel. On est plus sur quelque chose d'industriel. Et finalement, ces produits, une fois qu'ils ont été, que les ressources ont été extraites, qu'ils ont été fabriquées, qu'ils ont eu une certaine durée de vie, une certaine utilisation, une fois leur utilisation terminée, ils sont détruits et arrivent en fin de vie. Et là, la fin de vie des produits ou des services issus de l'activité humaine qu'on voit pas mal, qu'on voit. Moi, c'est à ça que je pense, du coup, en premier lieu. Quand on veut se débarrasser, du coup, de produits qui arrivent en fin de vie, entre autres, on va aller les enfouir dans un centre d'enfouissement, les traiter dans un incinérateur, dans des centres de tri, etc. Bref, de grosses installations qui montrent qu'on est quand même loin de la circularité quasi totale du sol forestier quand notre plante va se décomposer et va servir directement de nutriments pour les autres espèces qui poussent autour. Et c'est sur ce paradoxe-là, finalement, qu'on travaille au pôle éco-conception. Ça va être comment avoir quelque chose de plus cohérent, de plus circulaire et de plus global pour nos produits, pour nos services, tout en permettant à l'entreprise quand même de garder son activité et sa pérennité derrière. Mais j'y reviendrai. Donc finalement, comment tendre vers une circularité qui sera plus proche de ce qu'on peut trouver dans la nature et donc avoir un impact environnemental réduit. J'aime bien cette petite phrase aussi qui illustre assez bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais aussi la situation de laquelle on veut sortir, qui dit que celui qui croit que la croissance exponentielle est infinie est soit un fou, soit un économiste. Ça représente bien l'état d'esprit, je trouve, de nos constats. Et pour lequel il est nécessaire finalement de trouver des solutions. Donc voyez un peu comment on peut considérer le cycle de vie différemment pour avoir quelque chose qui se rapproche plus d'un modèle circulaire et pour trouver des solutions plus viables. Si on reprend donc le cycle de vie tel que je vous l'ai décrit rapidement pour les produits aujourd'hui, on a, c'est pas vraiment un cycle de vie, c'est plutôt une représentation linéaire de la vie du produit finalement, parce que c'est comme ça qu'on conçoit et qu'on voit un produit dans notre société depuis 60, 100 ans, loin de toutes les considérations environnementales qu'on peut avoir autour. Prenons un exemple, par exemple, d'un produit que vous connaissez assez bien, parce que vous l'avez déjà utilisé au moins une fois, voire deux ce matin, c'est une machine à café. Si on veut faire une machine à café, selon un cycle de vie classique, ce qui va se passer, c'est qu'on va extraire la matière première, donc tout ce qui va servir aux composants électroniques, si on prend une machine avec un peu d'électronique dedans, tout ce qui est matière plastique, matière métallique pour faire l'ensemble de la machine, les protections, les décorations, etc. Donc on va extraire tous ces matériaux-là, on va les acheminer vers des lieux de fabrication, où on va les fabriquer eux-mêmes, puis les assembler ensemble pour faire une machine totale. Donc fabrication et assemblage. Ensuite, on va le transporter vers le lieu de vente, puis vers le lieu, puis le consommateur va le transporter vers son lieu d'utilisation finalement chez lui. Ensuite, on va avoir toute une phase d'usage pendant laquelle la machine, elle va consommer du café, elle va consommer de l'eau, elle va consommer de l'électricité. Donc c'est aussi des choses qui vont être prises en compte. Donc on a toute cette phase d'usage là pendant laquelle vous allez pouvoir boire votre café plusieurs fois par jour tant que la machine fonctionne. Et quand la machine ne fonctionne plus, ou en tout cas quand la machine ne fonctionnait plus il y a plusieurs années, on était dans une phase de fin de vie totale. Donc la machine finissait à la décharge, à la benne, là où il y avait des exutoires à ce moment-là. Donc ça, c'est le cycle de vie un petit peu classique qui existe un petit peu par excellence. Et c'est celui qu'on va essayer de modifier finalement. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont arrivées. La première solution,
c'est celle de faire un petit peu, de faire moins mieux en fait, finalement, moins mal déjà. Dans cette approche, on va garder le même principe de linéarité des étapes, donc c'est exactement les mêmes qu'on peut retrouver ici, mais avec cette fois la volonté de faire des efforts sur la fin de vie, de faire correspondre la fin de vie, notre produit en fin de vie, aux étapes précédentes, de manière finalement à boucler les boucles. C'est principalement ce que fait l'économie circulaire aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre un produit qui arrive en fin de vie et de voir quels sont les exutoires pour le réutiliser, pour lui redonner de la valeur. Donc notre machine à café en fin de vie, on va essayer déjà de la revendre pour lui donner une seconde vie si elle fonctionne toujours un peu, ou alors de la renvoyer dans des centres où on va repasser par la phase de transport, donc la revendre, mais de manière moins locale, on va l'envoyer un petit peu plus loin pour qu'elle soit réutilisée et revendue également. Ensuite, on va pouvoir reboucler sur la fabrication en la reconditionnant, en lui redonnant une seconde vie, en la modifiant un petit peu pour qu'elle soit plus performante, la réparer par exemple aussi. Et enfin, on va pouvoir aussi reboucler sur les matières premières en recyclant les différents composants et en refaisant des matières premières, soit pour une machine à café, soit pour un autre produit. Puis, si vraiment on arrive dans une situation où on ne peut pas utiliser ces solutions-là, là seulement on considérera l'enfouissement et l'incinération qui sont les fins de vie sur lesquelles on ne pourra plus récupérer de valeur du produit derrière. Donc, première solution finalement, ça va être de questionner la fin de vie, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir modifier la fin de vie et l'adapter aux étapes précédentes. C'est vraiment dans ce sens-là que ça se joue. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin quand même pour vraiment considérer ça de manière plus globale et donc de considérer ça de manière vraiment sous forme de cycle de vie. C'est-à-dire de dire qu'on ne va pas seulement prendre la fin de vie et essayer de l'adapter aux étapes précédentes, mais on va dire que finalement, toutes les étapes sont un peu en corrélation, en correspondance les unes avec les autres. Et que du coup, il va falloir prendre en compte toutes ces étapes-là dès le moment où on va concevoir le produit. Dès le moment où on va concevoir notre machine à café, on va essayer de voir quelles matières premières on utilise et est-ce qu'on ne peut pas réduire leur impact déjà à l'extraction. Ces matières premières-là, comment est-ce qu'on va pouvoir les trier ou les réutiliser en fin de vie? Est-ce que ces matières premières-là vont être suffisamment efficaces pour que l'usage de la machine à café soit optimisé? C'est-à-dire que si on utilise des matières premières qui ne gardent pas assez la chaleur, par exemple, pour la machine à café, si on prend des matières qui ne gardent pas assez la chaleur, du coup, il va falloir chauffer encore plus l'eau dans la machine pour que le café soit à la température qu'on souhaite. Un exemple parmi tant d'autres. Pareil pour la fabrication, comment on va pouvoir optimiser ces étapes-là par rapport aux matières premières qu'on aura, mais aussi par rapport aux autres étapes derrière. Le transport, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser les distances, optimiser les volumes transportés aussi. Comment on va pouvoir optimiser la phase d'usage en essayant de réduire les différentes consommations liées à une machine à café. Et du coup, quand on va arriver à la fin de vie, on aura aussi le questionnement de dire maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, comment on va le trier, lui donner une seconde vie, mais on y aura du coup déjà pensé au début et on saura où reboucler certaines matières, où renvoyer, où reboucler un petit peu tout ça. L'idée avec ce cycle de vie, c'est vraiment de se rapprocher du cycle de vie de la nature où on est sur une circularité beaucoup plus grande. On parle de cycle de vie produit, je vous ai parlé d'une machine à café, mais on peut aussi parler de cycle de vie de service. Finalement, une entreprise qui produit un service, est-ce qu'elle n'a pas également un impact environnemental à réduire? Et est-ce qu'elle n'a pas également aussi un cycle de vie associé à ce service? C'est vraiment une question qu'on se pose en ce moment. Je vous disais que tout à l'heure, on traitait les sujets en fonction de ceux que nous amenaient les entreprises. Et là, ça fait quelques années qu'on voit cette question des conceptions de service qui pousse et qui est de plus en plus présente. Et c'est vraiment un sujet qu'on est en train de traiter en ce moment. On est en train de, du coup, rédiger un guide sur comment faire de l'éco-conception de service, finalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et comment on peut y réfléchir. Donc, finalement, c'est ça qu'on va appeler la perspective cycle de vie, la pensée cycle de vie, et qui va être un petit peu la base de l'éco-conception derrière. Pour revenir rapidement sur ce qu'est l'éco-conception aussi, finalement, l'éco-conception, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus ancien que ça. Une des premières personnes à être figure de l'éco-conception, c'est ce designer, Victor Papanek, qui a vécu entre 1926 et 1999. Donc, vous voyez que ça ne date pas des 10 dernières années, finalement. C'est une des figures les plus emblématiques
qui a questionné dès les années 50-60 un petit peu la notion d'impact environnemental et de cycle de vie dans sa réflexion et de manière beaucoup plus globale que juste faire des produits et les vendre. Je vous cite celui-là, mais il y en a d'autres aussi qui ont suivi un petit peu ce mouvement et qui ont apporté de l'éclairage à tout ce domaine-là. Finalement, depuis les années 50-60, l'éco-conception a évolué petit à petit et elle a progressé pour prendre en compte à la fois tout le cycle de vie, mais à la fois tous les critères environnementaux. On y reviendra juste après. Alors, je vous ai mis une petite frise, mais malheureusement, je pensais qu'elle sortirait mieux à la présentation. L'idée, c'est de vous montrer que ça a vraiment commencé dans les années 60, ces considérations environnementales liées aux produits avec les premiers bilans énergétiques. En 69, c'est Coca-Cola, contre toute attente, qui a été la première entreprise à faire un inventaire du cycle de vie et une analyse du cycle de vie pour montrer. Alors là, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil qu'on utilise énormément en éco-conception, qui permet d'analyser l'ensemble des impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et ça a été la première entreprise à faire ça pour montrer, pour comparer finalement l'impact environnemental des bouteilles en verre consignées et des bouteilles en plastique qui étaient en train d'être mises sur le marché à ce moment-là. On a continué à progresser au-delà des années 70 en créant des bases de données, justement publiques de données d'analyse de cycle de vie pour pouvoir calculer des enjeux environnementaux plus simplement. Et puis, petit à petit, le processus s'est précisé avec l'arrivée des processus de normalisation sur l'éco-conception, sur l'analyse de cycle de vie, sur la communication environnementale également. Il y a pas mal de normes qui existent sur ces sujets-là. Et petit à petit, on a commencé à parler donc, de logiciels d'ACV plus précis, de recherche de méthodes qui soient plus simplifiées pour qu'elles soient plus accessibles, qui soient plus spécifiques pour certains domaines d'activité. Jusqu'à aujourd'hui, où on continue encore à chercher sur ces domaines-là, dans l'idée de créer une espèce d'affichage environnemental qui soit un peu global à beaucoup de secteurs d'activité. L'idée, c'est de garder quand même cette réflexion cycle de vie multicritère. Et vous voyez du coup qu'on en est déjà à une soixantaine d'années de progression et c'est loin d'être fini parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le contexte actuel fait que les enjeux sur les entreprises sont de plus en plus forts. Pourquoi ça devient un sujet vraiment urgent et important pour les entreprises? Au-delà des sujets, au-delà de l'aspect conviction, réduction d'impact environnemental qui arrive de plus en plus dans les demandes consommateurs, il y a aussi de réels avantages stratégiques aujourd'hui à faire d'éco-conception parce qu'on arrive dans une société où les ressources vont être de plus en plus limitées et où du coup certains, vous voyez là, ça, je vous donne certaines dates estimées de disparition de certaines ressources terrestres à l'état naturel, donc ça arrive très vite, c'est ce qu'on peut voir. Donc, au-delà de ces ressources limitées, il va y avoir du coup des risques liés aux fournisseurs. On va aussi pouvoir, grâce à l'éco-conception, pallier à des risques liés à la compétitivité entre les entreprises, liés à ces ressources naturelles, mais aussi liés à d'autres contextes. On va aussi pouvoir limiter les risques liés à différents scandales, à la fois environnementaux, mais aussi sanitaires et sociaux, qu'on va aussi apparaître de plus en plus, parce qu'on va aussi, dans la considération de notre produit, prendre en compte ces sujets-là pour revoir un petit peu notre façon de fonctionner. Et on va aussi, il y a aussi des enjeux stratégiques à faire des conceptions pour pouvoir tout simplement changer notre impact sur un modèle qui a quelques difficultés, surtout en ce moment. Et on va pouvoir aussi montrer que cet impact-là, ça nous intéresse. C'est important pour nous et d'un point de vue image des consommateurs, ça va aussi pouvoir entraîner des avantages pour l'entreprise. Donc, on voit que notre contexte fait qu'aujourd'hui, la prise en compte de l'environnement, l'éco-conception, ça devient de plus en plus urgent pour les entreprises, pas seulement d'un point de vue impact environnemental, mais aussi d'un point de vue pérennisation de l'activité, tout simplement, parce que pour certaines entreprises, si les ressources disparaissent ou deviennent quatre fois plus chères, ça va être compliqué de continuer à travailler. Mais du coup, en travaillant là-dedans, on s'est aussi aperçu qu'il y avait un problème, une espèce de paradoxe lié à l'éco-conception. C'est que d'une part, on a des entreprises qui veulent se lancer dans cette démarche, mais qui pensent que si elles se lancent dans une démarche d'éco-conception, elle ne sera pas forcément comprise par les consommateurs et qu'il ne va pas forcément avoir une demande liée à ce produit-là qui va être
plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais qui va peut-être avoir d'autres particularités que celui qu'elle faisait normalement. Peut-être qu'il sera un peu plus cher, peut-être que les fonctions seront un petit peu différentes. Donc, il y a ce frein-là de la part des entreprises de dire que finalement, le marché n'est pas prêt et que le produit ne marchera pas. Inversement, on voit de plus en plus de consommateurs, de groupes de consommateurs qui, dans certains domaines spécifiquement, se plaignent du manque d'offres de produits éco-conçus ou du manque d'offres de produits plus éthiques ou plus vertueux. Donc, notre idée aussi, notre objectif en tant que au pôle éco-conception, c'est de pouvoir aider les entreprises à briser ce paradoxe et à vraiment faire le lien de communication qui manque entre eux, ce qu'ils peuvent proposer en termes d'offres et ce que les consommateurs vont vraiment entendre en termes de ce qu'on va vraiment avoir comme demande finalement. Voilà un petit peu pour la première partie que je voulais vous présenter. Maintenant, je vous ai parlé d'éco-conception, de cycle de vie. Concrètement, qu'est-ce que l'éco-conception ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? La définition que je vous propose aujourd'hui, c'est la définition de la norme ISO 14006. Je vous ai dit qu'il y avait des normes qui régissaient donc tous les aspects environnementaux dans une entreprise. C'est toute la série des normes ISO 14000, la 14001 pour le management environnemental, la 14006 pour... la mise en pratique de l'éco-conception d'un point de vue opérationnel. Il y a les séries des normes ISO 14040 à 44, plus spécifiques à l'outil d'analyse de cycle de vie dont je vous parlais tout à l'heure. La série des normes aussi ISO 14020 à 27 maintenant, ou 28, qui sont les normes dédiées à la communication environnementale, tous les sujets finalement qui gravitent autour du fait de prendre en compte les enjeux environnementaux. Et qui sont là pour aider les entreprises à faire ça de manière pertinente et pérenne pour leur entreprise derrière, pour leur activité. Donc, cette définition, elle dit que l'éco-conception, c'est une approche méthodique qui prend en compte les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement du produit, dans le but de, bien sûr, de réduire les impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie, donc vraiment tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. De nouveau, là, je vais vous parler exclusivement du cycle de vie produit. On reviendra tout à l'heure sur le cycle de vie service dans les questions si ça vous intéresse de manière plus individuelle. Mais sachez que pour l'instant, c'est pour pouvoir faire l'éco-conception d'un produit ou d'un service, il faut avant tout se dire quel est le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Finalement, quel est le cycle de vie d'un service ? Comment est-ce qu'on va définir un cycle de vie commun à tous les services ? Comment à la fois à un service de coiffure, à un service d'électricien, à un service de conseil, à un service banquier, à une assurance ? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un cycle de vie qui soit commun à tous ces services ? C'est un peu la question qu'on se pose en ce moment. Et finalement, comment on va pouvoir mettre en place ce cycle de vie et travailler là-dessus ? Ça va être tout l'enjeu du guide sur lequel on est en train de travailler. Donc finalement, la définition fondamentale, c'est penser conséquences environnementales dès la conception du produit, sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et surtout, aussi, on a bien rajouté cette définition-là, c'est que l'idée, c'est que le produit qu'on fait, certes, il soit meilleur pour l'environnement, mais il réponde aux justes besoins de l'utilisateur. On ne va pas faire de la surqualité ni de la sous-qualité pour pouvoir correspondre aux enjeux environnementaux qu'on vise, mais l'idée, c'est que le produit qu'on fabrique, il faut qu'il soit vraiment utile à l'utilisateur, il faut que le consommateur l'achète derrière et y trouve une utilité. Et c'est là aussi qu'il va y avoir un enjeu assez important sur l'éco-conception, c'est que voilà, le produit qu'on fait, pour nous, un bon produit éco-conçu, c'est un produit qui va remplacer un produit non éco-conçu sur le marché. Il y a vraiment cette notion de remplacement. Si on fait un produit qui est très bon d'un point de vue environnemental, mais qui n'a pas du tout sa place sur le marché et qui finalement reste dans un coin sur une étagère au profit de produits du concurrent qui vont être beaucoup moins bons d'un point de vue environnemental, on aura tout perdu quelque part et l'entreprise ne trouvera pas d'intérêt à faire de l'éco-conception et ce sera normal. Donc, il y a vraiment cette notion de finalement notre produit répond à une fonction et l'idée, c'est qu'il réponde à cette fonction du mieux possible en réduisant son impact environnemental du mieux possible là-dessus aussi. Pour pouvoir faire ça, donc deux approches dans l'éco-conception, celle qu'on a déjà vue pas mal de fois, l'approche cycle de vie, multi-étapes. L'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie et de coupler ça à une approche qui sera multi-critères. C'est-à-dire que là, je vais vous parler un petit peu plus d'impact environnementaux. Quand on parle d'impact environnementaux, c'est un mot assez général, mais il faut savoir qu'un produit peut avoir des impacts sur différents aspects de l'environnement finalement. Il va avoir un impact sur l'environnement quand on va consommer des ressources d'énergie non renouvelable, il va avoir un impact sur ce niveau-là. Il va émettre des gaz à effet de serre qui vont aussi avoir un impact dans une certaine mesure sur l'environnement, mais pas sur tout.
La consommation de ressources rares va aussi être un impact important. Il peut aussi se produire à différentes étapes de son cycle de vie, avoir des impacts sur l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est le fait d'enrichir un milieu avec des nutriments en trop grande quantité et donc de déséquilibrer le milieu et l'écosystème qui y habite. Donc, on produit notamment les rejets qu'il peut y avoir dans l'eau, dans les sols, etc., peuvent avoir cet impact environnemental-là. On va aussi parler d'acidification de l'eau et de l'air, c'est le phénomène qui est à l'origine des pluies acides notamment. On va aussi parler de toxicité et d'écotoxicité. Toxicité, on va parler de toxicité sur l'homme, et écotoxicité, ça concerne la toxicité sur le milieu naturel. Donc là, je vous mets quelques critères environnementaux, mais l'idée quand on va faire de l'éco-conception, c'est de cibler, de savoir qu'un produit va avoir des impacts sur plusieurs critères environnementaux et de cibler les critères qui sont vraiment pertinents, sur lesquels il va vraiment avoir un impact qu'on va essayer de réduire. On ne va pas parler d'émissions de gaz à effet de serre pour un produit qui n'en émet pas du tout et qui, au contraire, a des impacts environnementaux parce qu'il va rejeter des produits chimiques nocifs dans l'environnement. On va vraiment parler du critère qui correspond aux produits qu'on recherche. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vision à la fois globale, à la fois cycle de vie et à la fois sur tous les critères d'impact pertinents pour le produit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi cette approche globale? C'est aussi pour éviter ce qu'on va appeler le transfert d'impact. Transfert d'impact, c'est le transférer de l'impact environnemental d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un critère d'impact à un autre. Je vais vous donner un petit exemple qui sera plus parlant. Je vous donne l'exemple d'une voiture. Alors là, c'est une voiture classique. Là, je vous donne la répartition du cycle de vie sur l'ensemble des étapes, la répartition de l'impact environnemental sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. On voit que forcément, l'étape la plus impactante, c'est la phase d'usage, parce que consommation de carburant. J'ai décidé de faire une solution qui soit moins impactante et de travailler sur l'émission, sur les émissions et les impacts en phase d'usage. Donc pour ça, j'ai créé un nouveau modèle qui est une voiture hybride. Et cette voiture hybride, donc, elle va permettre de réduire quasiment de moitié les impacts environnementaux en phase d'usage, parce qu'on va utiliser beaucoup moins de carburant, étant donné qu'il y a un moteur électrique et une batterie. Mais le fait d'avoir ajouté ce moteur électrique et cette batterie, j'ai augmenté les impacts environnementaux en phase d'extraction de matières premières. J'ai également augmenté les impacts environnementaux en phase de fabrication, parce que ces batteries et ce moteur, il faut les fabriquer, il faut des matériaux pour ça, et ça demande une énergie supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Et j'ai également augmenté les impacts environnementaux en fin de vie, parce qu'en fin de vie, la batterie et le moteur électrique, il faut aussi les traiter. Et pour l'instant, c'est des choses qui sont très polluantes et qu'on ne sait pas encore traiter correctement. Donc finalement, le gain environnemental que j'ai réalisé en phase d'usage, je l'ai transféré à d'autres étapes du cycle de vie, matière première, fabrication et fin de vie. Et tout l'objectif de l'éco-conception, ça va être de connaître ces transferts d'impact et de s'assurer qu'ils soient très faibles par rapport au gain environnemental acquis, finalement. Donc l'idée, ça va être de faire justement cet équilibre, cette balance entre ce que j'ai gagné d'un côté et le transfert d'impact négatif que j'ai eu de l'autre, et s'assurer que finalement le gain environnemental est bien supérieur au transfert d'impact. Ça va être très difficile de les supprimer, mais l'idée, c'est quand même de les limiter au maximum. Donc vous voyez, je vous ai parlé finalement de très peu d'approches, une approche cycle de vie, une approche multicritère, donc multi-étape et multicritère, deux approches qui permettent d'éviter les transferts d'impact, mais vous voyez déjà que ça prend en compte énormément de paramètres. Il va y avoir énormément de paramètres à surveiller, à la fois sur le produit, à la fois sur ses étapes, à la fois sur les matériaux, sur les impacts environnementaux. Ça fait déjà beaucoup de contraintes à prendre en compte. Et sans oublier qu'il y a d'autres contraintes quand même liées à ça, c'est que finalement, quand on fait un produit, il va y avoir toutes les contraintes liées à l'environnement qu'on va vouloir ajouter. Mais déjà, on fait ce produit dans l'entreprise et ce produit génère des contraintes. Il y a des contraintes inhérentes à l'entreprise qui sont les contraintes de maîtrise des coûts, de maîtrise des délais, des approvisionnements, de respect du cahier des charges, de faisabilité technique, de respect des attentes clients. Donc finalement, rajouter des contraintes environnementales à déjà des contraintes existantes,
ce qui va être le plus pertinent pour pouvoir justement ajouter ces contraintes-là et en sortir un produit intéressant, ça va être de faire un compromis finalement. Avoir une approche de compromis entre d'un côté toutes les contraintes environnementales qu'on a à prendre en compte et d'autre part toutes les contraintes qu'a l'entreprise de manière générale. Parce que si on ne prend pas en compte ces contraintes-là, qu'on prend en compte seulement l'environnement, mais que derrière, l'entreprise commence à avoir des difficultés parce qu'elle n'arrive pas à faire face aux autres contraintes et qu'elle périclite, on a aussi perdu notre pari finalement parce que l'entreprise n'est pas pérenne et elle ne pourra pas développer son produit plus performant d'un point de vue environnemental. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre, d'un côté, les aspects environnementaux du produit, toutes les étapes du cycle de vie, tous les critères d'impact et tout l'état des lieux qu'on va pouvoir faire sur... notre produit vu sous le prisme de l'environnement et du cycle de vie, et d'autre part toutes les autres contraintes, donc le produit vu par le prisme de l'entreprise, de la rentabilité économique, du respect des contraintes des parties prenantes aussi. Et c'est ce compromis-là qui va permettre de créer aussi de l'innovation sur le produit et de trouver de nouvelles solutions. Donc une approche de compromis très importante aussi. Et la dernière approche, c'est que c'est une approche multiple finalement, l'éco-conception. On va avoir, pour pouvoir justement avoir des solutions adaptées à tous les domaines d'activité, on va avoir une approche qui va être filière un petit peu. Donc on va avoir des méthodologies et des outils adaptés à l'agroalimentaire par exemple, adaptés à la chimie. On parle de la chimie verte notamment, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Des méthodologies adaptées aux emballages, aux entreprises de services. Donc, on y revient, on y travaille toujours. Donc, une approche vraiment filière qui va se spécialiser en fonction du domaine d'activité de l'entreprise et également de l'entreprise elle-même. Deux entreprises vont peut-être avoir des enjeux complètement différents d'un point de vue environnemental, même si elles font le même produit, vont avoir des objectifs différents aussi et vont mettre en place des outils qui vont être complètement différents. C'est complètement c'est possible et c'est même souhaité pour que la démarche d'éco-conception soit vraiment adaptée à chacune. Et donc, en côté, on a ces approches filières, mais on a aussi des approches thématiques qui sont liées parce que faire de l'éco-conception, c'est bien, mais ce qui est important surtout, c'est de réussir sa démarche d'éco-conception. Donc, quelles sont les clés pour réussir sa démarche d'éco-conception ? Ensuite, concernant, on va aussi parler de management du cycle de vie pour voir comment introduire cette notion de cycle de vie dans tous les services de l'entreprise et essayer de trouver une approche transversale de tous les services pour pouvoir gérer des impacts environnementaux à tous les niveaux. On va parler d'évaluation environnementale, bien sûr, je vous en ai parlé au début, pour mieux connaître les impacts environnementaux, mieux savoir sur quoi travailler et aussi mieux communiquer derrière. On va aussi parler donc de communication environnementale, ça fait le lien qui est très bon parce que, comme je vous le disais, il faut aussi faire le lien entre ces produits éco-conçus que l'entreprise fabrique et la demande client derrière et leur montrer que ces produits qui ont été réfléchis et qui ont été conçus de manière plus respectueuse de l'environnement, ils ont une fonctionnalité, ils ont plein d'avantages et comment est-ce qu'on va faire pour les communiquer de manière pertinente au client en lui donnant confiance et en évitant tout ce qui va relever du greenwashing. Donc vous voyez pas mal d'approches filières, des approches aussi thématiques assez variées. Je vous ai donné une définition simple, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour finalement pour en faire une démarche et des outils concrets derrière. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir quand on parle d'éco-conception, enfin de perspective du cycle de vie et du coup d'éco-conception quand on veut mettre ça en place de manière concrète? L'éco-conception, donc, ça va être d'intégrer l'environnement dès la conception du produit sur toutes les étapes de son cycle de vie, d'où la vraie perspective du cycle de vie, voir le produit, faire un pas de côté par rapport au produit dans l'entreprise et voir le produit sous le prisme de son cycle de vie et de ses impacts environnementaux. Cette démarche, ça va être une approche à la fois produit mais aussi service. On va avoir une réflexion donc, qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie. Cette réflexion va aussi être multicritère. On va avoir une vision globale sur l'ensemble des critères environnementaux. L'idée d'avoir cette réflexion-là, c'est d'avoir une vision plus globale qui va aussi nous permettre de faire attention aux transferts d'impact qui sont à éviter. Et tout ça dans l'optique de faire une approche de compromis entre les enjeux environnementaux d'une part et tous les enjeux liés au fonctionnement classique, économique, stratégique d'une entreprise d'autre part. Le cycle de vie que je vous rappelle
pour ne pas l'oublier, parce que c'est quand même la chose la plus importante à prendre en compte quand on veut voir un produit sous un œil nouveau finalement. Voilà pour cette présentation sur l'éco-conception et la perspective cycle de vie. Alors, c'était assez rapide en 45 minutes. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres choses à creuser derrière pour aller plus loin. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de temps là pour répondre à vos questions. Avez-vous une idée du temps nécessaire pour amortir une étude d'éco-conception ? Pour amortir d'un point de vue économique, j'imagine, ou d'un point de vue environnemental, ou pour mener à bien une démarche d'éco-conception économique. Alors, ça dépend énormément du... Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. C'est quand on va éco-concevoir un produit, qu'est-ce qu'un produit éco-conçu déjà finalement ? Comment est-ce qu'on va définir un produit éco-conçu ? Si on change un produit, le matériau d'un produit pour un matériau moins impactant, est-ce qu'il est déjà éco-conçu ? Ou est-ce qu'il faut le reconcevoir de A à Z et changer complètement sa façon de fonctionner pour réduire au maximum l'impact pour qu'il soit éco-conçu ? La réponse, c'est que finalement, le produit peut être éco-conçu si on change juste le matériau. Mais il peut aussi être éco-conçu si on change l'entièreté du produit et qu'on fait beaucoup d'investissements pour réduire encore plus l'impact. Il y a plusieurs niveaux dans l'éco-conception. Et le temps d'amortissement d'une étude d'éco-conception, ça va bien sûr dépendre du niveau d'éco-conception que l'entreprise a mis en place. Est-ce qu'elle a juste changé un matériau sans faire d'investissement ou est-ce qu'elle a changé énormément de paramètres ? Donc, il y a ça qui va être à observer. Et derrière, ça va dépendre forcément, le temps d'amortissement va dépendre aussi de si le produit fonctionne ou pas, s'il a un réel, s'il marche d'un point de vue vente. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour faire ça. Au niveau des retours économiques de l'éco-conception, il existe des études qui ont été réalisées par l'ADEME sur justement plusieurs entreprises qui ont fait une démarche d'éco-conception et qui ont donc eu des retours économiques là-dessus. Je vous invite à aller regarder ça. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2008, qui est un petit peu ancienne, mais dont les conclusions sont intéressantes. Il y a une deuxième étude qui a été faite en 2014 sur environ 130 entreprises dont qu'on a aidé à rédiger au pôle éco-conception et qui a été faite aussi en partenariat avec l'IDP, donc l'Institut de développement de produits, donc l'institut qui s'occupe de l'éco-conception au Québec. Donc c'est une collaboration qui sort un petit peu du cadre national, donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe aussi là-bas. Et la dernière étude, elle a été faite en 2017. Et alors celle-là, je suis sûre que vous pouvez la trouver sur le site de l'ADEME. Les autres, je pense qu'en cherchant un petit peu, vous pouvez les trouver aussi. Donc, c'est des études sur les retours économiques qui ont été réalisées et qui vous donneront un petit peu plus de détails aussi, je pense, sur le temps d'amortissement, sur les investissements qui ont été faits. Et ça dépend aussi, l'amortissement d'une étude d'éco-conception, ça dépend sur quelle étape du cycle de vie on a le plus travaillé. Parce qu'il y a des étapes qui vont nous faire directement faire des économies. Si on réduit la quantité de matières premières utilisées, forcément, on va aussi réduire la quantité de matières premières achetées, donc faire des économies dès le début, finalement. J'ai une question sur la veille de produits éco-responsables. Nous, on ne fait pas particulièrement de veille de produits éco-responsables à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, pas exhaustive, en tout cas. On en fait un petit peu. On aide des entreprises aussi à lancer leurs produits. Je vous invite à aller voir éventuellement sur notre site internet. On a beaucoup d'exemples de cas de produits qui ont été éco-conçus ces dernières années. Ils n'y sont pas tous, mais il y en a déjà plus d'une centaine, je pense, dans différents domaines d'activité. Et ça vous permettra d'avoir déjà une vision un peu plus large de ce qui peut être éco-conçu en termes de produits. Mais ce n'est pas une vision, c'est pas une veille qu'on fait de manière très, très suivie et très exhaustive. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Et puis peut-être à bientôt. Voilà, vous avez mes coordonnées si besoin, n'hésitez pas.